Ah oui, alors elle ne veut pas que je me marie avec toi. Quel dommage, parce que ça y est, j'ai décidé et la réponse est oui. Oui, je vais me marier avec toi et peu importe qui ça dérange. Bonjour Barranquilla, voici votre champion. Barranquilla, c'est mon fils. Merci, votre merci champion de me est là. Recevoir comme ça. Fiston, je veux aller à l'hôtel, plonger dans la piscine, prendre un bon bain et m'enfiler un petit whisky tranquille. Non, il n'y a pas de piscine. Tu viens avec nous à Carthagène pour enfin venir voir la famille. Mais tu vas aller voir, point final. Antonio, juste un petit whisky, rien qu'un petit whisky, hein. Tu viens avec moi à Carthagène, t'es venu pour ça, pas vrai? Tu peux bien faire ça. Merci, merci. Barranquilla, je vous remercie. Merci beaucoup. Eh, hey, ça va? Plus tard, plus tard. Écoute, tu viens mais avec moi voir la famille, tu l'avais promis. Tu vas pas te dégonfler maintenant. Antonio. Ah, Carlotta, t'es vraiment un ange tombé du ciel. En ce moment, je me sens pas très bien. Mange un peu de soupe, tu verras, ça va t'aider. Merci. Et dis-moi, t'as parlé avec Antonio? Est-ce que t'as eu du nouveau? Non, pas encore, non. Je pense qu'il vient d'arriver en Colombie. Ah, mais j'insiste, tu aurais dû y aller avec lui. Je sais que le médecin a dit que tu pouvais pas y aller, mais bon, t'as quand même le droit d'aller voir ses combats en Colombie. C'est ce que m'a dit Don Manuel. Il m'a même apporté une invitation pour que j'aille voir le combat d'Antonio à la télévision. Et où ça? Une chaîne de télévision. Ils veulent que je vienne faire acte de présence comme étant la femme d'Antonio. Mais je suis pas trop d'humeur à faire ça. Mais Carly, comment ça non? Non, écoute, tu vas aller là-bas, bien sûr que si. Arrête un peu d'être invisible, ça suffit Carly. Tu vas y aller et tout le monde devra se rendre compte que tu es la femme de Pambele. Ah Carlo, au fond oui, je veux y aller. Mais c'est juste que j'aime pas sortir dans cet état. Tu veux bien m'accompagner? Moi? Oh, Carly, non. Non, mais je me sentirais mal à l'aise au milieu d'autant de gens célèbres. Et après, ils vont se demander ce que je fais là. Non, non. Ah, Carlo, me laisse pas toute seule. Allez, viens m'accompagner. S'il te plaît. Très bien, très bien. Mais tout comme Cendrillon, on rentre tôt. Allez, mange ta soupe. Très bien. Merci beaucoup. Et alors, tu as dit oui à Max... Chut. Parle moins fort, je veux pas que toute la radio le sache. Excuse-moi, mais je suis surprise parce que la dernière fois, tu m'as dit que tu n'en avais aucune idée. Oui, et maintenant, oui, je sais ce que j'ai dit. Mais j'ai accepté la demande de Maximiliano après qu'il m'ait dit que sa sorcière de mer ne veut pas de moi parce que je suis une arriviste. Et donc, tu lui as dit oui simplement pour pouvoir contrarier sa mère? Non, non, je lui ai dit oui parce que c'est la meilleure décision. Je peux pas continuer à penser à Antonio parce qu'il a déjà sa vie avec Carlina. Et puis, il faut aussi que je fasse la mienne. À ta place, je resterai seule un moment, parce que tu es désorientée. Et au vu de la situation, je pense qu'ils ne te conviennent pas, ni Pambele, ni Don Maximiliano. Celle qui est désorientée, c'est toi, si tu penses que je vais rester vieille fille. Enfin, c'est peut-être ton cas, mais bon, moi j'ai toujours une chance de me trouver un bon époux. Et qui est-ce qui te dit que je suis une vieille fille? Non, Célina. Ça m'apprendra à vouloir te donner des conseils. Très bien. Célina, excuse-moi, mais je voulais pas dire ça, Célina. Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Dans combien de temps l'eau sera prête? Dans environ 10 minutes. Ok. Tomasa, donne-moi les feuilles de maïs, ma fille. Tiens, maman. Tu les as lavées? Edgardo, va ouvrir la porte! Ah, mais pourquoi moi? Parce que je suis ta mère et je te dis d'aller ouvrir la porte! Merde, va ouvrir la porte, t'es vraiment un feignant! Allez! Oh. C'est pas possible, je suis vraiment l'arbin de cette famille. Et allez, dépêchez-vous avec le déjeuner, j'ai faim, moi. Mais comme d'habitude. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est quoi votre problème? Vous êtes trop bizarre, dites quelque chose. Edgardo, c'est qui à la porte? Je sais pas ce qu'il veut, je crois qu'il est muet. Vous êtes qui? Bonjour, c'est fait. Maman? C'est qui ce type, Tonio? Ce type, c'est ton papa. Quel papa? C'est pas marrant, Tonio. Papa est mort, tu sais bien.
Alors dis à ce guignol de faire demi-tour et de retourner d'où il vient. Lui parle pas comme ça. Et comment on doit lui parler? Ce type n'est rien d'autre qu'un idiot. Arrêtez tout le monde, fermez-la. C'est vraiment toi? Dis à ce type de partir tout de suite. Laissez-moi seule avec lui. Mais non, maman! Laissez-moi seule et maintenant! Sortez, dépêchez-vous! Non, maman, je veux pas te laisser seule avec ce monsieur. Sors, ma chérie. Allez, viens, Thomasa. Vas-y, sors. Allez. Tu peux entrer. Pourquoi t'as amené cet homme à la maison? Cet homme est ton père, que ça te plaise ou non, il doit parler avec maman. Ils ont strictement rien à se dire. Cet homme nous a tous abandonnés, alors tu vois, pour nous, il est mort. Mais pourtant, il est pas mort. Tu l'as vu de tes propres yeux, non? Il doit régler des choses avec maman et puis c'est tout. Cet homme va nous apporter que de la souffrance, Antonio. Fermez-la! Vous arrêtez! Antonio n'est pas responsable de ce qu'a fait Manuel. Il faut qu'on laisse Manuel expliquer à maman tout ce qu'il a expliqué. Maman mérite au moins ça. Alors maintenant, on se calme. T'as perdu du poids. Tu manges pas bien. Ben, ce qu'il y a, c'est que personne ne cuisine comme toi à Caracas, c'est fait. C'est fait, je veux te demander pardon pour toutes ces années qui ont passé... Comment c'est, Caracas? Parce que Manuel... Antonio est revenu ici, mais bon... Il nous a jamais dit comment c'est, Caracas. Eh bien, Caracas, c'est une grande ville pleine de Colombiens et... Mais la vie là-bas, c'est pas aussi simple qu'on le dit, c'est fait. Pour moi, ça a été dur. Ici non plus, c'est pas facile. Surtout quand on doit s'occuper de 5 enfants toute seule. Pourquoi t'es partie? C'est fait. Je trouve pas les mots pour te dire que... C'est fait, si je dois être honnête, je crois que... Que j'avais peur, tu sais. Tout ça me faisait très peur. Mais peur de quoi? De mal faire les choses et que tu te rendes compte que finalement, j'étais pas l'homme idéal pour toi. C'est fait. T'es la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est fait. Écoute, je l'ai toujours su, c'est fait. Mais ce qu'il y a, c'est que... On s'est rencontrés et quand ça nous est arrivé, j'étais très jeune et... Et j'ai eu peur et j'avais peur de m'engager, tu sais. Et c'est pour ça que t'es parti? Je sais pas, c'est fait. Écoute, je pensais que je reviendrais ici, avec plein de billets, pour t'acheter la maison que tu mérites. C'était la vie que j'ai voulu pour toi, mais que j'ai jamais pu te donner, en fait. Aussi bien ici que là-bas, j'ai toujours été un moins que rien, et je le suis encore, c'est fait, c'est vrai. Tu sais, le père d'un champion du monde ne peut pas être autant un moins que rien. Je sais pas. C'est fait. Je crois qu'Antonio est comme il est. Grâce à toi et toi seul. C'est fait, Antonio est un grand homme. Antonio est le fruit de l'amour qu'on avait, toi et moi. Pardonne-moi, c'est fait, vraiment, pardonne-moi. Je sais... J'aurais pas dû te laisser toute seule, c'est fait. Manuel, je t'ai déjà pardonné. Je t'ai pardonné il y a longtemps.
Surtout parce que je savais qu'un jour ou l'autre, tu reviendrais ici. Pour me demander pardon. T'es définitivement une sainte, c'est fait. Non. Si, c'est vrai. Non, non. Je ne suis pas une sainte. Et je ne veux pas être adorée. Mais je vais te demander une faveur. Va chercher tes enfants. Et réconcilie-toi avec eux. Surtout Edgardo, parce qu'il a besoin de toi. Va le voir. Bonjour Antonio. Comment ça s'est passé avec ton père et ta famille? Ça a été plus ou moins. Avec ma mère, ça a été plus facile, mais mes frères et sœurs voulaient même pas le voir. Dis à ton père. De ne pas se décourager. La meilleure chose qu'il ait pu faire, c'était d'aller les voir après tant d'années. Eh bien, c'est ce que je lui ai dit, mais le type a failli se dégonfler. Et qu'a dit Madame Céfé? Rien. Elle nous a dit de sortir de la maison pour parler avec Manuel. Quand ils avaient terminé, elle avait l'air un peu triste, mais plutôt sereine. Et qu'a dit Don Manuel? On aurait dit que Manuel venait de se débarrasser d'un gros fardeau, Carlina, tu sais. C'est bien, mon amour. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester quelques jours à Carthagène? J'aimerais bien rester quelques jours de plus ici, mais... Mais bon, tu sais, il y a Mercado et Tabaco qui vont repartir pour le combat, donc il va falloir que je reparte là-bas avec eux. Mm. Carlina, ça va? Carlina, qu'est-ce qui se passe? Hé! Il se passe que ton enfant est en train de me donner des coups de pied. On dirait qu'il est très énervé parce que je t'ai pas accompagné. Merde, tu m'as vraiment fait peur, là. Dis au petit insolent de rester tranquille, ok? Il doit m'attendre parce que je travaille dur pour lui donner la vie que j'avais pas quand j'étais petit. Bon, mon amour, et quand est-ce que tu vas me rappeler? À peine arrivé à Barranquilla, je t'appelle directement, ok? Tu sais pourquoi? Parce que t'es la femme de Magica. C'est le champion! C'est le champion! Eh, merde! Eh, les gars! On parle plus tard, Carlina. C'est le champion, regardez, pourquoi il est là. Tu les appelles, toi? Bordel, mais t'es sérieux, les fais pas venir! Bon, tout est prêt. Je veux que sur ce plateau, il y ait l'équipe de transmission. Oui, monsieur. Mais vite, mon ami. On occupe vite. Tout de suite. Amado, Cristobal. Eh, hey, comment ça va, Adrian? Ça va très bien. Et Adrian, le champion du monde a vu l'endroit? Non, mon pote. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est très petit. Et c'est vrai que c'est très petit, surtout que l'événement est très important pour la Colombie. Franchement, vous pouviez pas trouver un endroit plus grand? On se croirait dans une conserve de sardines, là. Et Mercado aime cet endroit? Ce type est un vieux renard. Tu crois que ça a été fait par hasard? Bon, et alors on fait quoi? Ce serait mieux qu'on arrête de préparer la fête. Je dis juste qu'on sait même pas si on va célébrer. Antonio Cervantes est un type simple et humble, mais bon... Je pense pas qu'il soit d'accord pour avoir la première défense du titre ici. Alors il vaudrait peut-être mieux qu'on attende avant de préparer les caméras. Alors dis-moi... Comment ça se passe pour l'événement, les affaires, t'en penses quoi? Eh bien, je m'organise. Je suis bonne, mais je fais pas de miracles non plus. Non. Pour moi, t'es miraculeuse. Et puis, tu peux me croire. T'es un vrai miracle, mon amour. Tellement belle. Hein? Quoi? Mais t'es vraiment ringard, toi. Dis-moi une chose, tu l'as appris en cours de route ou t'as toujours été comme ça? Ah, non, je... Non, très bien. Je voulais faire le romantique avec toi, mais bon, on n'a qu'à parler business, alors. Mm-hmm. Dis-moi, tu as pensé à quoi pour que l'événement du Kid Pambélé soit un franc succès? Non, parce que... Alors, je suis en train d'organiser une fête à laquelle va assister la société côtière la plus importante. Mmh. Pambélé est un personnage que tout le monde admire, Ezekiel. C'est vrai, qu'il le veuille ou pas. Tu sais ce qu'il y a, Freda? Écoute, ça fait longtemps que je suis dans les affaires et... Ces gens de la société, l'élite dont tu t'occupes, ces gens, ils n'aiment pas la boxe, crois-moi. Mmh. C'est pas une bonne idée. Alors écoute, mon beau, ça n'a rien à voir avec la boxe. C'est une question de célébrité, du personnage à la mode, du personnage dont tout le monde est en train de parler. Tu comprends, ça y est? Là, tu m'intéresses. Allez, dis-moi. Eh bien, je te dis vraiment rien de nouveau. Pense à l'époque romaine. Il se passait quoi? Tout le monde admirait les gladiateurs, non? Mmh. C'est une fascination malsaine qu'ont les gens. J'aime ça, tu sais pourquoi? Mmh. Parce que, ok, c'est bien, l'idée est bonne. Ok. Mais maintenant, quelle va être la différence avec l'événement qui a été fait ici à Carthagène? Tu comprends? Quelle est la différence? C'est qu'il n'est pas organisé par Hermès Maestranza. À cet événement, il y aura des personnes importantes. Pas de riche fils à papa, pas de playboy, comme on les appelle. C'est bien. Les garanties. La garantie que ces gens vont bien y assister et qu'ils vont venir. Quelle est la garantie? C'est mon père qui va les inviter. De plus, je suis en train de prévoir quelque chose de spectaculaire. Et je sais que ça va très bien fonctionner. Dis-moi. Tu sais qui c'est, le jaguar? Le chanteur? Le jaguar de chez moi? C'est qui, Et sérieux, comment t'as fait ça? Eh bien, il s'avère que ce monsieur est un très bon ami de mon père. Alors je me suis dit qu'on pourrait l'engager pour qu'il puisse chanter.
Ce sera une grande réussite pour nous. Et il est ici? Non, il est à Barranquilla, mais crois-moi, ça rendra la chose bien plus simple. Je savais que... Tu sais, je savais que tu étais la femme que je devais rencontrer ici. Allez, santé. Ouais, je le savais. Super. Oui, écoutez, pour moi, la seule chose qui me semble compliquée, c'est que le combat va se faire dans un petit endroit. Cristobal, ce que vous devez prendre en compte, c'est que si le manager de ce type a accepté l'espace, eh bien, vous les laissez faire. Ok, mais je n'ai pas d'autre choix, en fait. Parce que là-bas, on va tous être serrés, et n'oubliez pas que personne ne veut rater ce combat. Eh bien, dans ce cas, le plus important, c'est que les gens s'achètent un téléviseur ou alors qu'ils aillent chez des amis qui en ont déjà un. Nous ne pouvons pas nous mêler de ça. Ok, ok, n'en dites pas plus. Bon, et vous avez autre chose à me dire? Eh bien, j'ai l'idée de faire un nouvel article, oui. Il s'avère que l'adversaire de Pambélé... Eh bien, s'est battu contre Nicolas et lui aussi a perdu. Alors on a deux perdants qui se battent pour le titre mondial. Et il y a quoi de bien là-dedans? Mais Kaliman... Il y a que des bonnes choses. Il faut que vous compreniez que j'aimerais interviewer Nicolas, ok? Et qu'il nous fasse une comparaison des deux boxeurs et qu'il nous donne, je sais pas, quelques conseils ou recommandations à l'un et à l'autre pour qu'ils puissent gagner. Très bien. Et vous croyez que Nicolas accepterait de donner une interview pour ça, hein? Attendez, écoutez-moi, j'ai un ami journaliste qui va faire l'interview de Nicolas. Alors, il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, je vous préviens qu'il faudra être très prudent parce que je veux pas heurter certaines sensibilités, vous savez comment c'est. C'est une idée excellente, mon ami. Mais vous inquiétez pas, on va se charger de mettre l'information sur papier. Ah, et Cristobal, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi, d'accord? Ok, ok. Merci beaucoup, merci. Bien sûr, oui. Ciao. Maximiliano, allez, je dois retourner travailler. Ne t'en fais pas, je suis un ami de ton chef et je suis sûr qu'il ne te dira rien. Non, Maximiliano, je veux que tu comprennes une chose. Je ne suis pas à toi. Ce n'est pas ce que je dis. Je suis une femme très travailleuse, responsable, et j'aime énormément mon travail. Je sais. Et dès qu'on sera mariés, t'auras pas besoin de continuer. Enfin, si tu veux. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Maximiliano? Tu crois vraiment tout ce que dit ta mère? Eh bien, tu te trompes complètement, parce que moi, je ne cherche pas à ce que tu m'entretiennes, ok? Alors, on est prêts? Ouais, ouais. Tiens, écoute, l'endroit est merveilleux. Bon, je sais que c'est pas le stade du Junior, mais c'est l'un des endroits les plus modernes de Barranquilla. Ouais, c'est ce que m'a dit Mercado. Il m'a tout raconté, c'est bon. C'est bien, mais je pense que... Hé, comment vont les plus beaux de Barranquilla? Hé, Mercado, comment ça va? Champion! Prêt? Bonjour, Madame Freda, comment vous allez? Bonjour. Comment tu vas? Salut, Ezekiel. Bonjour, comment ça va? Ça va? Écoutez, je suis désolé, mais je dois aller confirmer le programme d'Antonio de demain, alors excusez-moi. Hé, je te suis, Tabaco, bonne journée. Je te suis. Non, attends, viens là, Antonio, une seconde avant que tu partes. J'aimerais te faire savoir que la société de Barranquilla et Cartagène a l'intention de te préparer un cocktail de bienvenue pour avoir décidé de venir défendre le titre ici à la Coupe. Quoi? Eh, hey, mais attendez, c'est pour maintenant ou pas? Non, voyons, c'est demain. Mais il faut voir en fonction de Tabaco, parce qu'avec l'entraînement, tu sais comment c'est. Tu sais bien. Non, non, attention avec ça, parce que tu comprends bien qu'on veut pas interférer avec le programme d'entraînement. Non, je comprends. C'est important. Maintenant, dis-moi juste une chose. Tu crois que... on pourrait le faire un peu plus tôt? Parce que s'il se bat alors qu'il est fatigué, tu vois, c'est pas prudent, mais si c'est tôt, oui. T'en oui, dis quoi? Y a aucun problème. Ok. Bien, bien. On le fait tôt. Bon, je vais vous laisser pour que vous puissiez discuter. Ouais, allez, c'est bien. Rejoins Tabaco. Je vous dis à plus tard. Discipline, discipline. D'accord, hein. Ciao. Ah, tôt, c'est bien. Non? C'est quoi ça? Oh. Oh mon Dieu. Maison de la famille Insua. Oui, c'est bien moi. Carlina? Oh mon Dieu. Oui, oui, d'accord, j'arrive. Madame Leonora! Madame Leonora! Oh mon Dieu, Madame Leonora! Pambélé! Bonjour, c'est Mercado, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Mercado, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, Antonio, ça fait 10 minutes que j'essaie de t'avoir et c'était occupé. Eh, hey, doucement, j'y peux rien, on m'a rien dit, moi, ici. Bon, sois prêt, parce que dans pas longtemps, il y a un chauffeur qui va venir te chercher avec Tabaco. Il va vous amener pour que tu choisisses le meilleur vestiaire, c'est compris? Eh, hey, attends une seconde, Mercado. Depuis quand ça t'importe, toi, les vestiaires? Bien sûr, bien sûr. Écoute, je te comprends parfaitement, Antonio. Tu sais quoi? On se parle plus tard, je dois raccrocher. Allez, à tout à l'heure. Mercado? Il a dit quoi?
Enfin, je le cite mot pour mot, littéralement, parce qu'après, il va dire que c'est moi. Alors, il voulait un lieu impressionnant, tu comprends? Un lieu où il va défendre pour la première fois son titre mondial. Alors, il faut que ce soit un lieu digne d'un tel événement. Tu comprends ce que je dis, là? Bon, écoute, cet endroit est moderne. Et il va être à la hauteur, même si toi et moi, on sait que c'est pas un stade de football. Ah, eh bien, je comprends ça, mais bon... Dis-moi, et les ventes, comment ça se passe? Non, les ventes, ça se passe bien. On a rempli plus de 20% de la capacité de la salle, tout va bien, se vendre. C'est, okay, c'est très bien. Oui, c'est bien, en effet. Tu penses pas qu'il faut penser à la sécurité, Ezekiel? Une telle quantité de gens, ça peut pas être dangereux? Non, non, attends une seconde. Toi, tu te charges de l'image comme tu le faisais, et moi, je m'occupe de mes affaires, parce que... Voilà, et toi, tu continues ton truc, ok? Hypothétiquement, disons que peut-être, à la moitié du combat, on peut ouvrir les portes pour que le public et la salle s'aèrent un peu. Ici, ce qui importe, c'est de se faire de l'argent, Freda. D'accord? Bon, d'accord, d'accord, compris. Mais si le champion demande... Non, 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 il va rien demander, on n'a pas le temps. Et s'il demande rien, on n'a pas besoin de le dire, tu comprends? Mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout ça. Tiens, prends un whisky si tu veux, parce que là, il fait vraiment très chaud ici, pas vrai? Hé, maman, tu veux pas aller te reposer un moment pendant qu'on s'occupe de faire à manger? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Il est où, Manuel? Ah, et Tonito? Ils sont où, mes enfants? J'allais leur donner le biberon. Ah, mon pauvre petit garçon, il doit avoir faim. Tu vois, ce fichu Manuel est venu simplement pour embrouiller Tonito. Le cerveau de maman. Je suis sûre que ça va être encore pire qu'avant. Tonito? Attends, je vais aller lui parler, Tomasa. Tonito? Mon garçon? Maman? Va chercher ton frère que je lui donne le On biberon. On va dans la chambre, viens. Va te reposer, viens, maman. Non, mais va chercher ton frère, je vais lui donner à manger. Il doit avoir très faim maintenant. Maman, allez, s'il te plaît, on va dans la chambre. Non. On va se reposer, viens. Mais non. Non, laisse-moi, je bouge pas d'ici. Je reste ici. Maman, on va se reposer, s'il te plaît. On va se... Allez, viens, on y va. Allez, debout. C'est ça. On va se reposer un petit peu. Va le chercher. Oui. Va chercher Tonito, donne le biberon à ton frère, oui, d'accord? Va te reposer, maman. Va te reposer. Eh, hey, messieurs, qu'est-ce qui se passe avec l'écran du moniteur, hein? Où il est? Ah, c'est bon, il arrive. Bon, écoutez, assurez-vous que l'épouse de Pambélé ait bien reçu l'invitation et aussi qu'elle compte venir, d'accord? Ce qu'il nous faut, c'est que tous les gens, absolument tous les gens, pensent que cette femme souffre beaucoup à cause des coups que va se prendre son époux. C'est bien compris? Oui. Ah, ouais. Ok, alors préparez tout ça, s'il vous plaît, d'accord? Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez. Et t'es certaine que tu veux pas aller voir le docteur? Oui, j'en suis certaine, la douleur est passée. Ah, Carlo. Je crois bien que c'était un signe pour pas que j'aille à ce fichu cocktail pour le combat d'Antonio. Ah, Carlina, arrête de mélanger deux choses ensemble qui n'ont rien à voir. Et puis, cette nuit, je vais rester avec toi pour que demain, on puisse y aller ensemble au cocktail. Je ne pense pas être d'humeur à faire la fête. Imagine un peu si on va là-bas et que j'ai encore une douleur. Ah, ça serait mieux. Imagine-toi un peu, tu te retrouves parmi toutes ces personnes tellement importantes et tu finis par accoucher dans un endroit bien luxueux. Je sais pas. Et en plus de ça, j'ai rien à me mettre, Carlotta. Ah, ne t'inquiète surtout pas. Demain, on ira faire les boutiques et on choisira quelque chose de très beau. Comme ça, tu seras très jolie. Ah, écoute, je t'imagine déjà là-bas en train de passer la porte et tu attires les regards avec ce ventre magnifique. Et si on peut même pas faire rentrer la moitié des gens qu'on aurait pu mettre au Libertador de Caracas? Écoute, on double les bénéfices dans les ventes de billets. C'est un lieu exclusif, Manuel. Exclusif? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est pas la même chose, c'est pas la même affaire. L'université, ça m'a servi à rien, c'est ça. Pour la quantité, t'as peut-être raison. Mais c'est... Tu vois, si tu quittes cet événement, écoute, tu... Ça lui va pas, alors que le boxeur, c'est son propre fils, bordel. Je vois pas ce qui est marrant. Ils sont pas d'accord. Mercado, Manuel a raison. Quoi? Comment ça? Il a raison. Mais bon, on va quand même le faire ici. Pourquoi? Parce qu'il faut satisfaire la Colombie et les entrepreneurs. Mais Mercado, fais-moi une faveur. Que ce genre de choses ne se reproduise pas. Merci beaucoup. T'as vu ce qu'il vient de faire, là? Ça va aller, Ezekiel. C'est ta faute. C'est parfait. Maintenant, c'est lui qui se prend pour le chef. Ça y est. J'arrive. Ah, bref. Chispeao, viens là, mon pote. Eh, mais ce Nicolas, c'est un type qui est très éloquent. Il était bien l'interview que je t'ai donnée. Ouais. Bon, en parlant de ça, je crois pas que ce gros titre va beaucoup plaire à Antonio. Eh bien, au moins, il pense que Pembele va gagner, non? Donne-moi ça. Tiens. Eh, mais ce Clay Maisonnet est très grand, hein? Il a des bras énormes. Il doit avoir de la force. Ah, ça, c'est vrai qu'il est bien grand. Tu crois qu'il va battre Antonio? Eh bien, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que Pembele va être très en colère quand il va lire ça. Est-ce qu'il va le remarquer?
Tu sais quoi, Cristobal? Je crois qu'indirectement, Nicolas est en train de défier Pembele et il s'en rend même pas compte. Il peut toujours aller pour la couronne, tu crois pas? Eh bien, j'en suis pas si sûr. Je vous l'avais dit, hein? Je te l'avais dit. Non, si non, j'étais non, parti non, me battre non, avec cet idiot de Rothschild, l'article serait différent, ok? Alors, on dirait que l'ombre de ce type me suit partout, Mercado. Elle me suit, merde. T'es dans la réception d'un hôtel, mon pote. Viens là, tu dois lire tout l'article avant pour savoir exactement ce qui se passe, bordel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et l'article dit que tu as plus de probabilités de gagner contre Clay. Voilà. Tu vois, c'est ce que Rothschild dit ici. D'accord, d'accord. Alors, ce que les gens vont faire, c'est lire ce qui est marqué en tout petit, bien sûr. Non. Les gens, ce qu'ils lisent, c'est le titre. Et regarde ce qu'il dit. Bordel. Bonjour, ça va? Bonjour, merci beaucoup, vraiment. Bonjour, c'est un plaisir. Merci. C'est gentil, merci beaucoup. Merci de me recevoir comme ça. Mesdemoiselles, c'est vraiment très gentil. Avance par là. Bien sûr, oui, bien sûr. Bonjour, comment ça va? Bien? Bonjour. Merci beaucoup. C'est très bien, je vous remercie tous, vraiment. Très aimable. Merci, merci. Oui, pas de soucis. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, vous êtes exceptionnel. C'est vrai. Allô? Maximiliano. Et pourquoi est-ce que tu m'appelles aussi tard? J'avais une réunion ce soir et elle vient tout juste de se terminer. Oh mon pauvre. T'es encore en colère contre moi? Non. Non, non, je voudrais m'excuser auprès de toi. Je me suis comportée comme une idiote. Ne t'en fais pas. Je sais que tu dois être nerveuse. Tu veux que je vienne te voir? Venir me voir? Mais tu trouves pas qu'il est un peu tard? Eh bien, c'est juste que tu me manques. Et j'ai pensé à toi toute la journée. T'as pensé à moi? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr que tu m'as manqué. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ici à se parler au téléphone? Je pars maintenant et on se voit. Non, 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 Maximiliano. Attends, honnêtement, écoute, je suis tellement fatiguée. Vaut mieux qu'on se voie une autre fois. Eh bien, moi aussi, je suis fatiguée et je veux te voir. Ah, Maximiliano, moi aussi je veux te voir. Mais c'est juste que là, je suis fatiguée, je suis sous ma couette. Et mieux vaut remettre ça à demain. Et comme ça, au cocktail, on pourra se voir, tu sais, pour le combat. Bon, très bien. On se voit demain. Repose-toi bien. Oui, toi aussi. Bravo! Merci Bravo. Beaucoup, vraiment, merci beaucoup à tout mon public et aux champions du monde. Le kit Pembele, applaudissez-le bien fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merde, sérieux, on ce type chante bien. Okay. Je l'ai écouté à la radio, mais en live, il chante ouais, encore c'est mieux. C'est pour toi. Sérieux, j'avais jamais entendu un chanteur chanter aussi bien en t'aimes live. T'aimes ça, toi, vraiment, Divin, t'aimes bien. Comme d'habitude. Je suis pas sûr que j'aime bien. Merci beaucoup, ma beauté. Sinon, comment va ton père? Bien, il te passe le bonjour. Super. Bien, hey, j'ai des gens à présenter. Comment ça va? Antonio, ça va? Bonjour, comment ça va? C'est Pembe pour toi, mon pote. Je suis enchanté, Pembe. Eh, ça va, c'est pas la peine de vous présenter, hein. Le kid Pembele. Et son étude, ça. Je c'est suppose. Exact. Quand ma femme va savoir que je t'ai vu, elle va me tuer parce qu'elle t'aime, mon pote. Écoute, je voulais te dire que maintenant Antonio va commencer une tournée pour défendre son titre. T'en penses quoi? Eh, mais ça me paraît très bien, Pembe. Je suis sûr que tout va bien se passer. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça vous dit de faire une photo? Une photo, ouais, bien sûr. Quelle bonne idée. Avec mon nouvel ami. À côté de toi. Ah, ah, merde, Pembe, c'est un plaisir, c'est un plaisir de te rencontrer. Viens là, Freda. Voilà. Merci. C'est bon, c'est bon. Super, merci, messieurs. Vous avez bien pris. Pembe, j'ai vu ton combat pour le titre, là-bas au Panama. Bordel, t'aimes bien la boxe? C'était un spectacle, ma pote. Et bien sûr que j'aime la boxe. J'en regardais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ah, c'est bien. Avec mon père au Venezuela. Et jusqu'à ce que la dictature nous prenne tout. Ah merde, parler de politique, c'est compliqué. Tu sais, mon pote, on se bat tous pour quelque chose. Je me bats depuis que je suis enfant. Mais bon, c'est la vie. Mais maintenant, le plus important, comment tu te sens pour demain? Bien, et content. Content parce qu'on va gagner. Parce que je vais me battre, parce que je sais ce que je veux maintenant. Eh bien, tu m'en diras tant. Écoute, j'ai repoussé ma tournée de 2 jours pour rester ici et voir ton combat, Pembe. Non, je te crois pas, et mec. Et je suis certain que ça en vaudra le détour, hein? On peut te l'assurer, on ouais, peut te l'assurer. Ouais, c'est vrai, on peut te l'assurer, ça. Et dis-moi, il s'est passé quoi avec la jeune femme, celle avec qui t'étais, où c'était déjà? Sabana Grande, il me semble. Eh, de quoi je me mêle? Écoute, tu penses pas qu'on devrait poursuivre la fête? Y a pas vraiment juste. Dis-moi, comment tu fais pour chanter comme ça aussi bien, avec un style aussi cool? Écoute, d'abord, c'est ton allure, le style qu'on possède. Eh, hey, Carlina, ils m'ont fait un de ces accueils, comme pour les plus grands. Eh, hey, j'ai même rencontré le type, là, Jaguar, celui que t'aimes bien.
Bordel, et il a même chanté, c'est vrai, en mon honneur. C'est vrai, mon amour, t'as rencontré le jaguar? C'est bien, mon amour. Mais est-ce que tu as parlé avec ta famille? Bon, ça me fait plaisir de savoir que tout se passe bien pour toi. C'est dommage qu'ici, l'ambiance soit plus qu'affreuse. Écoute, Carlina, calme-toi. Je sais que ça te plaît pas, cette histoire d'événements et tout ça. Mais prête-toi au jeu, parce qu'il y a du bon et du mauvais, tu verras. Petit à petit, tu vas t'y habituer, tu comprends? Ça prend du temps, tout ça. Avec le genre d'invité qui est en train d'arriver, ça va être difficile. Carlina, je vais devoir te laisser, parce qu'il va falloir que j'aille au combat, ok? Je t'aime beaucoup, on va gagner ce combat. Plein de bisous. Ah, elle allait encore commencer avec ses critiques. Laisse-moi profiter de la vie. Ici. Et je crois qu'à l'intérieur, c'est encore pire. Je crois que c'est très difficile. Difficile? Ici, on peut ni entrer ni sortir avec tout ce monde autour. C'est votre faute, ça. J'aurais dû rester à l'hôtel et regarder le combat sur le téléviseur. Mais calmez-vous, calmez-vous. Je vais voir comment faire pour entrer. Et les informer que la famille du champion attend dehors. Comme ça, ils vont nous laisser entrer. Oui, oui, mais excusez-moi, dépêchez-vous. Excusez-moi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous pour ce grand combat de boxe. Combat pour le titre mondial qui est sur le point de commencer. Nous nous trouvons ici en compagnie de mes collègues de Radio Caribe, Radio Circuit Stellaire de Venezuela. Cristobal Roman est avec nous aujourd'hui. On va aller s'asseoir, mais posture. Posture. Ouais, allons-y. Mesdames et messieurs, le combat est sur le point de commencer. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que ce combat est sponsorisé par l'énergie des batteries Batterine. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Avec 63 kilos, Clay Maisonnet. Et de l'autre côté, avec 63,5 kilos, et il défend le titre mondial, Antonio Cervantes, Kid Pembele. Bonsoir. C'est bien que vous soyez ici. Je sais que votre époux va gagner. Ah, merci beaucoup. Carly ? En plus, elle a la même coupe de cheveux que moi. Ah non, il y a des gens très importants, Carly. Hein ? Ah, et t'as vu le bel homme qui vient de passer ? Carly ! Dis-moi, le type derrière, c'est pas l'autre fils de Madame Leonora ? Maximiliano ? Mais non, il serait venu me dire bonsoir. Il pense pas qu'il le fera. Car si toi et moi on est ici, c'est grâce à Antonio. Sinon, on serait transparente pour eux. Ah non, madame. Donne-moi au minimum un petit sourire, Carly. Parce que regarde ça. Ton mari a vraiment l'air très mignon comme ça, regarde. Ah non, Carlo, non. Écoute, j'aime pas regarder ça. Je veux pas de coups bas. Ça va commencer, on mesdames salue. Et messieurs. Soyez attentifs. Box. Ça y est, le combat vient tout juste de commencer. Allez, Antonio Cervantes. Mercado, on est allé trop loin avec la vente de tickets. S'il se passe quelque chose, on meurt tous écrasés. Au lieu de penser à ça, pense à tout l'argent qu'on va gagner. Bim bam boum, mon pote, pense au billet, ok? Hein? T'inquiète pas, je connais bien. Bordel. Ça se passe bien, non? Hé, hey, laissez passer! Mais arrêtez de le pousser! Enfin, laissez-moi écoutez, j'ai réussi à... Mais calmez-vous, calmez-vous! Écoutez! Vous allez vous, c'est vous! J'ai réussi! J'ai réussi à nous faire entrer de l'autre côté! Venez, venez, allez! Pardon! Pardon! Mesdames et messieurs, le champion s'approche avec détermination. La garde bien haute et les yeux portés sur les gants de son adversaire. Mais Antonio! Il finit de parler qu'il y a déjà un direct gauche et voilà que le combat commence. Un Antonio Cervantes vigoureux. Allez! Les oreilles qui se déplacent d'un côté et de l'autre. Approche-toi! Allez, approche-toi! Et il continue avec un direct gauche. Fort. Un autre direct gauche. Très bien, Antonio Cervantes. C'est ça, Antonio, concentre-toi, c'est bien! Allez, frappe! Donne un jab! Donne un jab! C'est ça! Bravo! Vas-y, bordel, vas-y! Hey, regardez, c'est mon fils, là-bas! Allez, Antonio, allez!
train de faire. Mets de la distance, Antonio, allez, mets de la distance. Non, mets de la distance. Allez, pistons, allez, pistons, défends-toi, merde. Allez, défends-toi. Oh, tu fais quoi? Le champion est en difficulté. Allez, champion. Allez. Allez, 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 allez. Bambi, 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 Bambi. Vas-y. Esquive. Tu vas sortir des camps, bordel. De son adversaire. J'arrive pas à croire qu'on soit toutes les deux assises là. Non. Antonio, qu'est-ce que tu nous fais? Allez, champion, bouge-toi un peu. Ah, laisse-moi passer, laisse-moi passer. Antonio, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas te battre ou quoi? Envoie-le par terre, frappe-le. Et alors, qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire, mon vieux? Ça fait 13 rounds que j'essaie. Ce gamin arrive toujours à rester debout. Bon, allez, Antonio, on y va, on y va. C'est parti, lève-toi, lève-toi. Allez, ouais, allez, ouais, 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 ouais. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mon ami va accoucher d'une seconde à l'autre. Hé, hey, restez pas comme ça, aidez-nous. Non mais, respire, franchement, respire, comment Camille, cette femme bien. A pu venir ici tout en sachant tout qu'elle allait bientôt avoir ce bébé? Maximiliano, je t'en prie, c'est quoi ce genre de remarque? Comment ça, mes remarques? Faut être logique. Mais t'es un gentleman, tu devrais te comporter comme tel. Attends, Juliette, Juliette, Juliette. Allez, appelle une ambulance, il faut aller à l'hôpital. Je pense pas pouvoir attendre l'ambulance. D'accord, je serai bien dans une seconde. Mon bébé va pouvoir être là. Y'a quelqu'un qui peut nous emmener à l'hôpital, par pitié? Ah, Carlo, sors-moi d'ici! Sors-moi d'ici! Sérieux? Surtout, n'hésitez pas à vous battre entre vous pour venir nous aider! Respire. Si personne va l'aider, alors nous, on y va! Comment ça, nous, on y va? Oui, on va les aider! Mais attends! On y va! Regarde, on va les aider! Merci! Venez, relevez-vous! Allez, ça vous fait tellement mal, Carlo, de l'autre côté! Attendez, je suis là! Faites attention, mon bébé! Calmez-vous, calmez-vous, respirez doucement! On y va. T'en fais pas, j'ai ça va aller. Mal, respirez, respirez. Tout va bien, Carly, on va à l'hôpital. Allez, Antonio. Allez, champion. Bouge-toi. Champion. Ah, mais arrêtez de pousser. Edgardo, t'arrives à voir quelque chose? Non, rien. Edgardo, mais porte-moi pour que je vois Antonio. Porte-moi. Comment tu veux que je te porte? Tu sens pas la chaleur ici? Bah, dans ce cas, j'y vais. Hé, hey, Rolia, où tu vas? Rolia, reviens ici, fonce pas dans le tas! Edgardo! Rolia! Mais sors de là, tu vas étouffer! Je suis le frère de Pambélé, merde! Laisse-moi passer, mec! Allez, vous allez étouffer, ma sœur! Mais sors des cordes, allez! Vas-y, Pambé! 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 Allez, termine-le! Allez! Mais qu'est-ce qu'il a, Antonio? Ezekiel, il va finir par le tuer! Et je sais pas ce qui arrive, Antonio! Je vais devoir aller lui remettre les pieds sur terre, non, sœur. Mais va dire quelque chose! Attends, je vais résoudre ça une seconde! Hé, hey, Tabaco! Tabaco, fais-moi une faveur et occupe-toi de ton boxeur, bordel! C'est quoi ça? Il fait tu quoi? Vois bien mais ce qui pourquoi se passe. Est-ce qu'il en finit pas une bonne fois pour toutes avec ce boxeur, bordel? Ce qu'il y a, c'est qu'il est pas encore réveillé! Tu ah, sais qu'il faut qu'il se déclenche! Dans ce cas, je vais aller m'en occuper! Non! Et non! Attends! Laisse-moi. Écoute, Antonio! Tu sais ce qui se passe! Tu te bats comme une fillette! La seule chose que tu sais faire, c'est tricher! Non, Mercado, on n'a pas besoin de ça maintenant! On n'a pas besoin de ça! Tu vas m'expliquer comment ça fonctionne? Tu veux quoi que le titre reste dans les mains des juges? Bordel! Va là-bas, Tabaco! T'es même pas capable de te battre contre un boxeur médiocre! Et en plus, tu crois que tu peux affronter le légendaire Nicolas Rotti? Non, je crois pas! J'en peux plus! Je suis fatigué! Ça y est, le champion vient oui, de réagir! Oui, c'est ça, allez, Antonio! Nous voyons une réaction du champion, mesdames et messieurs! Au dernier moment, Antonio Cervantes pour tout ce qu'il a... Allez, Antonio, c'est ça! Antonio Cervantes compte bien conserver son titre! Ça va, ma Carly, ça va. Oui, allez, respire. On inspire, on expire. On inspire, on expire. Oui, continue ah non, comme Carlo, ça. Carlo, je peux pas continuer. Si. J'en peux plus. Je te jure que j'en peux plus. Monsieur Maximiliano, s'il vous plaît, allez un peu plus vite. Je conduis aussi vite que non, je non, peux. Non, va pas trop vite non plus, Maximiliano, car sinon ce sera pas un accouchement, mais un enterrement. Mais non, n'importe quoi. S'il vous plaît, monsieur Maximiliano, allez un peu plus vite, d'accord? Je bon, vous allez vous taire toutes les deux. Je suis pas un chauffeur d'ambulance. Allez, 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 ça va, Carlo, tout va bien. Chauffeur d'ambulance? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Ça vous plaît de me voir souffrir? Non, 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 ce qu'il y a, c'est que Maximiliano sort de ses choses. Comment tu peux dire ça? Ça va, ça va, ça va. Carlotta, sors-moi d'ici. Sors-moi d'ici, Carlotta. Arrête, arrête. C'est pour ça que vous vouliez m'aider, pour vous moquer de moi. Tout doucement. Allez, vas-y. Bambélé!
Il semble que l'on est un champion. La cloche vient de retentir, bordel. Mesdames et messieurs, le combat vient de se terminer. Maintenant, la fonction des juges est de compter tous les points. Qui va gagner ce combat? Antonio Cervantes, le Kid Pembele ou Clay Maisonnet? Mesdames et messieurs, le moment que nous attendions tous vient d'arriver. La décision des juges. Doucement, Carly. Carlo, on y va. Doucement. Allez. Doucement, doucement. Ah, Carlo, je peux plus marcher. Doucement. Laisse-moi t'aider, laisse-moi t'aider. C'est bon, je peux faire toute seule. On a une Carly, urgence. Carly, viens. Tabaco, tu crois que j'ai gagné le combat? Je crois qu'avec les points, j'ai gagné. Antonio, je sais pas, il faut attendre de voir ce que vont dire les juges. Attends, je vais te dire un truc, à quoi est-ce que tu pensais? 15 rounds à faire n'importe quoi, pourquoi tu l'as pas frappé quand tu le pouvais? Hein? Faut t'insulter ou quoi, bordel? Y'a que ça qui fonctionne? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, Carlina, allez, c'est bien. Poussez, Carlina, c'est bien, allez, on y va. Plus fort, plus fort, plus fort. Poussez. Continuez, Carlina, continuez. Le bébé va arriver. Allez, allez, poussez. C'est bien, Carlina, encore, encore. Oh, docteur, ça me fait trop mal. Le suspense se passe en titre mondial pour la première fois dans sa patrie contre Clay Maisonnet. Ici même, à Barranquilla, mon cher en Cristobal, Colombie. Poussez plus fort. Voilà. C'est bien. Allez. Et le vainqueur est... Merci la Colombie! Oh mon petit. Hé, Cristobal, je te cherche depuis un moment. La transmission a été un franc succès, je te félicite, mon pote. Très bien, Cristobal. Dommage qu'on puisse pas dire la même chose du combat. Parce que Pembele était pas vraiment au mieux de sa forme. Ah mais écoute, il a quand même conservé le titre. Tu sais que parfois la chance aide, y a rien de mal à ça, mon garçon. Oui, Amado, mais on reste pas champion grâce à la chance. Encore un combat comme ça, et il perd son titre. Ah. On va boire un coup. Merde, mon Cristobal, t'as raison, c'est bien vrai. Eh, hey, bien joué, champion! Félicitations, Antonio! Vous avez vu mon fils? Je vous l'avais dit, non? Jamais hein? Tu gagnerais! Moi, je fais les choses dans les règles. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on fait, oui ou non? Dont je me souvenais. Ouais, c'était bien, c'était parfait. Je dis jamais de lui, moi. Voyez ça avec ta bataille. Je voulais te féliciter, fiston, parce que ce que t'as fait, c'était super. Je vous le dis, il va être champion pour longtemps. Et de l'argent à partager, bim bam boum! Et voilà, les amis! Et j'espère que cet argent bim bam boum va être pour tout le monde, parce qu'écoute, Antonio a besoin d'argent maintenant qu'il va avoir un bébé. Alors attention! Non, je dis que je vais le partager, alors je vais le faire. Faut que les choses soient claires, d'accord? Faut aussi payer les impôts, il y a quelques dépenses. Tu sais que tout se paie, Manuel. Tabaco, tu comprends ça, Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort? Pourquoi tu fais cette tête-là, mon pote? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est mort. Ton fils vient juste de naître. Oh, félicitations, Antonio.